Christelle Dunne, congratulations with your win here in Zurich. How does it feel to be a European champion in the marathon? Je suis très contente. Je savais que j'étais très forte, mais Valeria l'était aussi. On a couru très vite et il fallait être là, il fallait être patiente et parce que le parcours était très très difficile. Mais j'étais là et je l'ai montré et je suis fière d'être allée chercher cette médaille d'or parce que je suis allée la chercher. Hein. At what point did you make a move to leave Valeria? J'ai attaqué dans la descente parce que je savais que dans les montées, on faisait pas la différence assez on pouvait pas faire la différence. Il fallait juste amortir et j'ai attaqué dans la dernière descente et après ben j'ai maintenu le rythme et les quelques secondes et ben il fallait les maintenir parce que Valeria était difficile à décrocher. You have national records in 10,000 meters and you have many fast time. How important is it for you now to win this medal? J'étais très contente d'aller chercher cette médaille parce que ça concrétise un palmarès. C'est mon 10e marathon. Je suis toujours dans un top 5 d'un grand major. Et cette médaille, elle concrétise toutes ces belles places. À New York, 3e, 3 podiums à Paris. Et on va parler de Christelle Dunne en tant que championne d'Europe et meilleure marathonienne. Et elle a toujours été dans les meilleures mondiales. Et là, je le prouve encore, hein, parce que le niveau européen est relevé. On a fait 2h25 aujourd'hui sur un parcours difficile. Donc voilà, les Européennes, elles sont là. Elles peuvent contrer les Africaines.